C'est l'éléphant, c'est sous moi. Il était pesé comme un lion. Et puis, les zones lui ont blessé toute l'âme. Quand il y a. Violence qu'a faite sous femme actif dans le département de Grandens, persistement augmenté pendant 4 dernières années. Situation ça préoccupé en pile monde. Surtout militants et responsables organisation qui défendent les droits de l'homme. Leur femme subit violence. C'est violation des droits de l'homme liés en général. Majorité cas autorité enregistrée dans le département de c'est violence sexuelle. Victimes avec malhonnête sa yo, puis souvent, c'est une fille qui l'en l'âge 5 à 17 l'année. Pour violence sexuelle, souvent, les sorties dans des jeunes filles qui ont 15-16 ans, mais là, les toi des jeunes filles qui ont 18, 20 ans, 25. Visage sombre, tête baissée, avec un sentiment de culpabilité, une victime nous a rencontré, t'as expliqué un mauvais moment qui passé en bas, mais on agressé. Avec brutalité. Avec. Répugnance. Elle était morte de moi beaucoup. Et ça a été dur. Moi, j'étais bien ensemble. Et puis, sperme, toute sale, mes jambes. Moi, je me tremblé. Je me suis marché, je me suis caché. Et ça a arrivé à 15 ans. Dans l'année 2019, là, un rapport qui est publié par BPM, IBES, IDET, et le ministère des Conditions Féminines, fait qu'on est, violence sexuelle qu'a faite sous femme actifie dans le département Grenas augmenté à 7%. Sans compter victimes qui pas venir ou bien qui peut porter plainte pour une raison ou une autre. Je ne peux pas porter plainte parce que je peux agresser parce que l'élève vient faire ça, elle dit que soit les gens ont ou bien papa qui est commissaire, et tu fais me connaître que je ne peux pas mettre dans la prison. Directrice pour Fadla, à coordonnateur IDET, tu as expliqué nous qui accompagnement, organisation ou abaye. À victime. J'ai assez fait mon connaît que dans les 72 heures, li subi un viol ou bien yon violence quelconque, li doit aller dans centre santé qui pi près pour la faire examen, pour la faire test parce que c'est ça qui pral servir comme preuve que vraiment li te subi violence. Nous porter c'est tout d'abord sensibilisation communautaire, expliquer mon droit yo et connait chaîne protection existe et qui ça doit faire en cas de besoin. Par exemple, au monde qui est victime de VBG, c'est aller directement vers l'hôpital, aller vers la BPM pour suite judiciaire, aller vers le parquet, nous-mêmes accompagner avec une assistance légale, un avocat disponible pour faire suivi. L'hôpital Saint-Antoine Jérémy, c'est la prise en charge des victimes qui fait presque chaque jour. Docteur Azor, tu as porté plus d'explications pour nous. Donc, nous desservons environ pour trois dernières années. En termes de monde qui vient prendre service, nous avons regardé 2018, il y a environ 102. Qui prend en charge. Elle dit que c'est une femme même qui est victime, et tout le monde, victime de violences sexuelles. Pour 2019, 119. Et puis pour 2020, nous avons 121. 121, donc c'est au total vraiment ensemble des gens qui nous prend en charge pour victimes. Qui est-ce qui explique l'augmentation de la violence sexuelle dans Grenas? Gérald Guillaume, coordonnateur IDET, t'as parlé avec nous. L'augmentation de la violence sexuelle est liée directement à la question de la misère et à la disparité sociale qui existait. Et absence tout de la justice. Il y a l'autre bord, commissaire Piram a pas ajouté. Autre femme, nous avons crainte pour nous mettre la justice au courant. Mais quand il y a là, on a plus de monde qui vient mettre la justice au courant. Parce que j'ai une confiance, je vois que là, il marche bien. Autre femme, là, il y a des paysans, là, on a fait tout pour nous cacher. Mais quand il y a un des cas, on a sorti juste au cochon. Comment ça y est dans la juridiction Jérémy? Chef Paquet, tu as besoin de plus de détails. Conseil, automatiquement que nous saisissons des dossiers, nous mettons un mandat d'amener en cas de flagrance où nous constatons que infraction et puis nous mettons un mandat d'amener, la police toujours sous main et puis pour l'exécuter le mandat. Pourtant, Gérald Guillaume a dit le contraire. Parce que pas de condamnation. Pas de sanctions par rapport à Zak Sao chaque fois arrivé. Et comme si souvent banalisé, et nous avons dit que acteurs judiciaires ont pile fois qu'on négligeait sanrer les droits femmes et droits de l'homme comme bagaille qui fait partie intégrante des droits humains. Il y a des gens qui sont victimes de violences sexuelles, toujours besoin d'un accompagnement psychologique. Mais en pile fois, pas bon là qu'à nous, c'est différent. Je suis toujours traumatisé parce que je n'ai pas assistance. Violence sexuelle, il y a un fléau qui a ravagé le département Grenas chaque jour de plus. Flavien Janvier, JCOM Haïti.